Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je m'ennuie un petit peu. Ouais, je suis avec ma webcam, donc désolée pour la qualité. De toute façon, c'est qu'un tag, donc j'ai pas besoin de vous montrer grand-chose. Donc il y a 30 questions, enfin vous verrez dans le descriptif, il y en a 29, mais il y en a une ou il y en a deux, donc ça fait 30. Voilà, donc je vais commencer tout de suite parce que en fait je suis au boulot de ma mère. Mais il n'y a pas de client. Mais bon, je vais faire ça assez rapidement parce que s'il y a quelqu'un qui arrive, j'ai l'air d'une débile. Donc première question, mon prénom, Charlotte. Ouais, en fait c'est un tag, j'ai oublié de vous dire, 30 questions. Comme ça, je sais pas, je l'ai vu, ça date de 2013, le truc. C'est pas grave, on est en 2017. C'est 30 questions un peu sur moi. Voilà. Donc mon prénom, Charlotte, mon surnom, ça peut être Chacha, Chachou, Lolotte. Voilà. Mon âge, donc je vais avoir 26 ans. Mon anniversaire, donc ça tombe le 16 janvier. Mes origines françaises. Mon année de naissance, 1991. Ma taille, donc je fais 1,79 m. As-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai un petit frère et deux petites sœurs. Es-tu en couple? Effectivement, je suis en couple. Donc je regarde en bas parce que j'ai mis les questions hein, sur une feuille. Où habites-tu? Donc dans la ville de Lannion, dans les Côtes d'Armor. Hein. Est-ce que j'ai des animaux domestiques? Donc je pense que vous les avez vus déjà. Donc oui, j'ai un chat, donc un Jack Russell et un n'importe quoi. Un chien, donc un Jack Russell et un chat quoi. Ma pointure de chaussure, je fais du 41. Est-ce que j'ai des tatouages et des piercings? Oui, j'ai deux tatouages et un piercing et j'envisage d'en faire un voire deux autres. Je pense qu'il y en a un qui sera frais très prochainement. Et pour l'autre, je vais attendre un petit peu. Et puis, je vous invite à voir, si vous voulez, ma vidéo sur le tag des tatouages. Donc, j'essaierai de vous l'insérer hein, dans l'écran ou en barre d'infos. Es-tu droitière ou gauchère? Donc, droitière. Mauvais. Est-ce que tu as des mauvaises habitudes? Je crois que je souffle sans m'en rendre compte. Après, peut-être dans les mauvaises habitudes alimentaires, on va dire que c'est pas que je grignote, mais en gros, je peux prendre un goûter et des gâteaux apéro à l'heure de l'apéro après. Donc voilà, on va dire ça. Quel est ton type de cheveux et sont-ils colorés? Alors, je sais pas pourquoi il y a cette question, je la trouve bizarre. Donc là, évidemment, avec la lumière pourrie qu'il y a, vous verrez pas, mais j'ai les cheveux souples, j'ai beaucoup, beaucoup de cheveux, si ça vous intéresse. Et oui, ils sont colorés. Où j'ai deux rouges un petit peu différents. Enfin, deux rouges mélangés. Ma couleur préférée. J'en ai deux. J'en ai pas qu'une. Donc, ça va être tout ce qui va être dans les violets. Donc, toutes les variantes de violet. Et le vert. Voilà. Ma marque préférée. Je n'en ai pas. Ma saveur préférée en glace. J'aime beaucoup la vanille. Ouais, je vais dire la vanille, c'est un basique, un classique, mais voilà, ça c'est la valeur sûre au moins. Mes émissions de télé préférées. Je regarde plein plein d'émissions de télé à la con, tout ce que vous voulez. Donc il va y avoir Master Inc. par exemple, toujours sur la 23. J'aime bien regarder Rivière et Monstres sur la 23 aussi, je crois. En ce moment, je regarde beaucoup La Villa des Cœurs Brisés, j'aime bien. Qu'est-ce que je regarde en émission de télé? Je sais pas, après ça va être plutôt des films le soir. Non, bah voilà, en gros, c'est pas. Ah si, Le meilleur pâtissier, j'aime beaucoup aussi. Mon film préféré, j'en ai pas parce que j'aime beaucoup de films. Ma fête préférée, la mienne. Mes trois sites préférés. Alors, on va pas dire que c'est les préférés, mais c'est sur ceux-là sur lesquels je vais le plus souvent. Donc, ça va être La Redoute pour les grandes tailles de vêtements. Sur Sephora pour commander, parce que à Lannion, il n'y a pas de Sephora. Et puis, j'aime bien maintenant Azos. J'aimais pas trop avant, et puis je commence à aimer pas mal de trucs. Voilà. D'où vient mon pseudo YouTube? Je crois que je vous avais déjà expliqué dans une vidéo. En fait, c'était un surnom qu'on m'avait donné d'une personne qui me tenait à cœur. Et voilà, tout simplement, je ne veux pas en dire plus. Depuis quand t'intéresses-tu au maquillage?
Depuis pas mal de temps, après c'est devenu, on va dire, enfin c'est pas une passion non plus, mais je m'y suis un petit peu plus intéressée il y a 3 ans, je crois, 3 4 ans. Enfin, j'aimais bien ça hein, déjà avant, mais sauf que je suis pas du tout artiste et faut avoir un côté artistique, je trouve, et c'est ça qui me manque en fait. J'ai toujours aimé, mais enfin donc après j'ai été sur YouTube et tout pour regarder des tutos, machin, bref. Voilà. Quel pays veux-tu visiter? Alors pour ça, je vais vous renvoyer à ma vidéo sur tous les voyages que j'aimerais bien faire, parce qu'il y en a 15, je crois, donc là, je vais pas tous vous les énumérer, ça sert à rien. À quoi ressemble mon téléphone portable? Donc c'est un Galaxy A3, un Samsung Galaxy A3, voilà, un truc tout basique, vous voyez? Je me vois. ouais, voilà. À quoi ton... Je vous dis, ça date de 2013. Hein. À quoi ressemble ton iPod? Je n'ai pas d'iPod. Voilà. Et à quoi ressemble ton sac à main? Donc là, c'est pareil, je ne l'ai pas avec moi parce que ben, je suis dans un magasin dont il est rangé. C'est un sac Sabrina Paris et je crois que le modèle, c'est Ilona, il me semble, ou un truc comme ça. Mais je l'ai ouvert. Je voulais montrer dans mes cadeaux de Noël, donc c'est pareil, je remettrai dans le petit ou dans la barre d'infos quand je vous ai présenté mes cadeaux de Noël d'il y a 2 ans, je crois. Voilà. Et juste en parlant de cadeaux de Noël, j'ai. Oh là là, ça fait que changer de lumière. J'ai déjà fait ma vidéo sur mes cadeaux de Noël de 2016, sauf que je l'ai pas monté encore. Voilà. Et dernière question, as-tu un Twitter? Oui, mais je n'utilise jamais parce que je trouve ça nul. Enfin, j'aime pas. Après, c'est pas mes générations non plus, donc c'est peut-être pour ça. Par contre, j'ai un Instagram et puis un compte Facebook aussi. Et je vous mettrai ça en barre d'infos si vous voulez. Donc, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!